J'aime vraiment ça, l'escalade de voie. Être en hauteur, c'est pas mal le fun, ça l'amène quelque chose de différent. Mais des fois, c'est sûr que ça prend un peu plus d'organisation. Je pense qu'il est temps qu'on aille faire du bloc. L'escalade au Québec est super variée. Je m'appelle Élie Légaré, ça fait 12 ans que je grimpe. J'ai été partout dans le monde pour escalader des nouvelles parois, mais je suis toujours passée à côté de ce qu'il y avait tout près de chez moi. Mon projet cet été, c'est de découvrir avec vous le réseau des sites d'escalade de la FQME, sans oublier la communauté de grimpeurs qui l'anime. Suivez-nous, on va avoir du fun, puis on va manger de la poutine. Je me rends aujourd'hui dans une région que je connais et que j'adore. Le Bas-Saint-Laurent, il y a des paysages de bord de fleuve, le Kamouraska a tout pour faire rêver. Mais cette fois-ci, je m'en vais pas faire de la voie à l'amphithéâtre. Je vais faire changement puis je m'en vais plutôt dans le village de Mont-Carmel où est-ce qu'il y a un petit jardin de blocs que je veux découvrir. J'ai rejoint deux passionnés d'escalade de la région qui en ont long à dire sur la découverte d'un site comme celui-là. On s'en va faire du bloc. Non, c'est pas vrai, je m'en vais me baigner. Je m'appelle Philippe Hardy. J'ai commencé à grimper à la fin des années 90, en début 2000, et je suis un local au Kamouraska. Salut, je m'appelle Marc-Antoine Rodrigue. J'habite à Saint-Pascal depuis 3 ans. Et dans le Kamouraska, je suis déménagé pour l'escalade principalement et la quantité de roches dans le coin. La roche est spéciale, c'est probablement une des plus belles roches au monde selon moi. Là. On peut grimper plusieurs jours en ligne sans avoir les doigts maganés. Fait que Phil, est-ce que tu voudrais nous raconter un petit peu comment ça s'est développé, le Mont-Carmel, l'histoire du site un petit peu? Oui, en fait, tout a commencé en 2004. En 2004, j'ai découvert le site par hasard en allant à Mont-Carmel pour la première fois. Puis vu qu'il n'y avait plus de feuilles dans les arbres, ben là, j'ai trouvé là, cette belle proue là, qui sortait du bois. Et la première fois que je suis allé, c'était avec mon ami Sébastien Vachon. On n'a pas demandé la permission. Il y avait encore de la neige. On est allé faire Saveur de Weco. Puis c'est à ce moment-là qu'on a vu tout le potentiel qu'il y avait autour. Puis la fois suivante, quand j'ai voulu y retourner avec un autre ami, on a demandé là, la permission au propriétaire si on pouvait aller jouer dans un bloc, là, faire de l'escalade. Puis le propriétaire il était bien open. C'est devenu un problème quand il y a des amis qui sont arrivés avec des caméras, puis quand il a commencé à avoir plus de blocs durs, ben là, le fait d'avoir un film ou ben de que les gens voyaient les images du site, ben là, c'est vite devenu un endroit là, super populaire, puis un endroit où tout le monde voulait grimper. C'est là que c'est devenu problématique. Là. Ce qui s'est passé, c'est que tout le monde y allait sans jamais demander la permission au propriétaire, se disant qu'il y avait le droit parce que d'autres gens étaient allés auparavant. Alors là, à un moment donné, le propriétaire s'est tanné. Il était même plus capable de passer avec sa machinerie. Là. Fait que là, il a dit « Je veux plus personne ici. » C'est fini. Puis je crois que c'est Kevin Duquette, à un moment donné, qui est arrivé de Rimouski, des Grimpeurs de l'Est, qui a fait les démarches avec le propriétaire pour pouvoir assurer le site, pour pouvoir assurer une pérennité aussi au site. Puis voir avec lui là, comment ce serait possible de réouvrir le site. Là. Au niveau de l'escalade extérieure, bien, c'est sûr que ça se passe en nature, puis sur des terrains qui sont la plupart du temps pas loués, mais comme prêtés, puis qu'il y a un accord avec des propriétaires qui sont souvent des fermiers ou c'est des personnes là, qui ont des terrains puis qui permettent de pratiquer l'escalade. On est vraiment content d'avoir ces accès-là. Fait que de un, il faut respecter leur espace. T'sais. Ils nous donnent le privilège de grimper sur leur terrain. Puis penser aussi que. Quand on fait de l'escalade, naturellement, on va altérer l'extérieur. Fait que de penser aussi aux générations futures.
Je veux pas radoter tout ce que le monde savent déjà sur le plein air, juste de savoir vivre à l'extérieur, là. Quand j'avais 20 ans, je demandais pas nécessairement la permission avant d'y aller. Mais en vieillissant, j'ai appris que si je voulais rendre une pérennité à l'escalade puis au site que je développais, ben j'étais bien mieux d'avoir les permissions pour avoir un meilleur impact, avant même commencer de développer, parce que des blocs, oui, il y en a partout, mais t'es pas chez vous partout. OK, c'est plein d'aspects auxquels on pense pas nécessairement quand on profite d'un site. C'est pas facile à entretenir puis garder des sites ouverts. Puis une autre affaire qui est pas facile, c'est le bloc. Je regarde Philippe grimper, puis ça paraît qu'il en a du millage. C'est sûr que l'expérience, ça s'acquiert avec le temps. Mais je sais que l'entraînement puis la discipline, ça paye aussi. Je reprends la route pour aller dans le coin du Mont-Tremblant, à Canada, pour rencontrer quelqu'un qui pousse l'entraînement en tout autre monde. Salut, moi c'est Yves Gravel, je suis un grimpeur de bloc. Ça fait 22 ans que je grimpe, puis je viens de la région de Ottawa. Canada, c'est un endroit spécial pour moi parce que c'est l'accessibilité, c'est vraiment proche, puis juste la quantité extrême de blocs difficiles. C'est ça, la FQMA a fait un événement. Et on est descendu avec l'équipe compétitive. Et c'est comme ça qu'on a découvert le secteur. C'est génial. Toutes les années, je passe au moins une couple de sessions par saison ici. Là. Le potentiel pour les blocs extrêmes, c'est fou là, ici. Tu vas voir, les blocs sont gros, c'est steep, puis les prises sont petites. Fait que c'est l'idéal pour développer des blocs extrêmes. Alors juste à côté ici, okay. Un autre T12, un V11. Et fait que comme tout est condensé, là, puis les blocs sont beaux. Cool. Fait que ouais, ça pourrait être cool. C'est comme tu veux, c'est toi qui ouais. Grimpe. C'est des gros grades, là, you decide. V11, V12, V13. C'est des gros chiffres certains. Ils présentent des V14 eux-mêmes, tout bonnement. C'est classique. Là. Il y a un bloc ici qui s'appelle Tessa Lydra, c'est le premier V14 au Québec. Il a été ouvert. Alors moi, ça fait peut-être, je pense, peut-être 3-4 ans de ça. Mais on n'a pas eu ça encore dans la série, là, la grosse perfo, les gros V, 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 plus, plus, plus. C'est hop. J'ai hâte de voir ça, je suis intimidée. Puis après ça, il y a un autre super classique, là, un autre V14 ici, ça s'appelle Miles Ahead. J'avais ouvert un peu à hommage à un de mes premiers coachs que je travaillais, qui s'appelle Jody Miles. Fait que ça, c'est un autre bloc ici, ça passe les deux avec un talon. Je vais chercher un petit crimp, un talon aussi. Là, tu fais comme un move, un peu comme un T-Rex en compression. Là. Puis, faut que tu bouges le pied, c'est vraiment difficile à cause que t'es comme pris. Tu bouges le pied, tu vas chercher comme des petites réglettes, montre le talon. Un gros move. La deuxième section, c'est comme un autre V12, ça s'appelle Green Dolphin Street. C'est comme un gros move au pinch. Tu changes comme en bicycle. Tu vas le chercher. Là, tu cut loose. Gros swing. Là, comme ça tape ici. Le voir bouger comme ça sur la roche, c'est vraiment impressionnant. Enchaîner autant de moves durs, un après l'autre, ça n'a pas de sens. Yes. Le plus beau tempeur côté Québec. Je me demande le niveau de préparation que ça prend pour s'élever une aussi grosse cote. J'ai fait beaucoup de,
d'entraînement comme de gymnastique, là, la planche, les anneaux, beaucoup de musculation, beaucoup de flexibilité comme active pour être capable de monter mon pied à côté de la main. J'ai fait un simulateur aussi sur un mur chez moi pour pouvoir m'entraîner spécifiquement pour le mouvement. Comme ça, je savais que si je réussissais à faire la première section du V13, bien, j'aurais comme le stamina pour enchaîner les deux ensemble. Ce qui était un des plus gros challenges de faire le bloc. Là. Après avoir fait V14 puis même V15, c'est quoi son prochain projet? Là, il y a plein de projets. Là. Un projet que j'aimerais faire au printemps, là, quand tous les trous sont remplis de neige, là, c'est la grosse arête ici. Là. C'est comme vraiment un des plus beaux projets, je pense, qu'il y a au secteur. Puis un des plus beaux projets que j'ai vu comme au Québec. Là. C'est comme une arête qui monte peut-être 30 pieds d'eau. Là. C'est hallucinant. C'est vraiment un des plus beaux blocs. Un projet comme ça, est-ce que c'est plus difficile physiquement ou mentalement pour toi? Je pense mentalement. Ah ouais? Ouais. C'est plus difficile. Comme une fois que tu sais que tu as faire les mouvements, d'habitude, c'est comme une partie de la bataille est déjà gagnée. Là. Mais juste tout le temps essayer les mêmes choses, puis tu sais pas si c'est possible, ça peut être difficile comme mentalement. Ça fait que faut que tu sois déterminé, puis ouais. T'es-tu un peu aussi en même temps? Mais je pense qu'une chose qui est importante aussi, c'est pas prendre trop ça au sérieux aussi. Là. Le plus de pression que tu te mets sur toi, le plus difficile que ça va être aussi. Là. Fait que si tu restes relax puis comme tu prends ça plus comme un jeu, là, c'est un petit peu plus facile aussi. Là. Tu passes moins. Ouais. Mange des carottes dans le char.